Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est presque 19h, 18h57 exactement, heure locale. Nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Je crois que du côté de l'équipe technique, tout est OK et que le retour chez les gens est correct, le retour notamment dans les studios de TV et Radio de Vie. Voilà, donc que le Seigneur soit béni, Père, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons pour l'œuvre que tu accomplis, pour l'œuvre que tu fais. Merci pour cette émission, Seigneur, pour cette belle surprise que tu nous fais. Seigneur, nous voulons nous exposer à ta lumière, à ta parole pure, ta parole qui guérit, qui sauve. Merci pour nos bien-aimés qui sont autour de cette table, Seigneur, qui t'aiment, Seigneur, qui veulent avancer avec toi. Conduis-nous par ton Saint-Esprit en toutes choses. Nous te bénissons, Adonai, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir. Tout va bien? Oui, bonsoir notre cher bien-aimé. Amen. Bonsoir tout le monde. Voilà. Et bonsoir aux spectateurs. Alors nous sommes là vraiment pour, je pense que beaucoup sont surpris, hein, parce que habituellement le mercredi, il y a une émission, soit sur, il y a deux types d'émissions, soit sur le pain quotidien, une émission qui s'occupe des orphelins, des nécessiteux, des pauvres, ou c'est un mercredi sur deux, et puis l'autre mercredi c'est une émission d'enseignement, ben, surtout ça commence à 20h30. Donc, ce soir, ben, c'est une belle surprise, hein, parce que vous savez que quand on veut marcher par l'esprit, on doit se laisser guider par lui. Oui. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Alors, nous avons le plaisir de recevoir nos bien-aimés. Hein. Donc, il y a notre sœur Agnès qui nous vient du Togo et sa grande sœur également. Et puis, Serge, que vous connaissez, Herman également, être une voix pour les sans-voix. Voilà. Alors, nous voulons vraiment écouter aussi le témoignage. Je pense que vous avez des témoignages, des choses à partager, hein, aux frères et sœurs. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, si vous pouvez vous présenter aux frères et sœurs qui sont là et puis nous partager comment vous êtes arrivés au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous tourniez vers notre Dieu. Ah, bonsoir. Encore une fois, bonsoir à mes chers bien-aimés. Nous sommes arrivés en France. Je crois que aujourd'hui, aujourd'hui. Non, nous sommes arrivés depuis dimanche. Depuis dimanche, ok. Depuis dimanche, et nous avons vraiment voulu rencontrer et nos frères et sœurs, et surtout notre frère Shura. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a donné cette opportunité d'être en face des uns et des autres et de pouvoir témoigner ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que le Seigneur, il est fidèle. Amen. Il a été toujours fidèle avec nous. Tu préfères celui-là plutôt? Oui. Ok. Tu vas être plus à l'aise. Là. Oui. Je dois me tourner. Voilà, c'est bon. Le Seigneur a été toujours fidèle avec nous. Et en écoutant les émissions de notre frère, nous avons la joie au cœur. Nous avons le pressentiment qu'il y a un frère quelque part. Que Dieu a mis quelqu'un quelque part. Que Dieu a élu quelqu'un quelque part. Et nous avons cherché à le rencontrer. Dieu soit loué. Qu'aujourd'hui, nous sommes en face de l'élu de Dieu. Amen. Nous glorifions le Seigneur pour sa vie, pour tout ce qu'il fait. Et nous savons que ce qu'il a commencé, il le terminera certainement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je m'appelle Agnès Néhéro, épouse Johnson. Je suis née le 1er février 1956. Je ne suis pas de la dernière pluie. Bientôt, j'aurai 60 ans. Est-ce que tu sais que tu ne le fais pas du tout, hein? Oui, mais c'est ce que tout le monde me dit. C'est mais vraiment impressionnant. Et ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce parfaite de Dieu. Soyez avec Jésus. Amen. Et comme il renouvelle notre force tous les matins,
Oh là là. Il est merveilleux. Je l'adore. Amen. Je ne peux rien faire sans lui. Waouh. Alors, le témoignage que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que je viens de très, très, très loin. Mm-hmm. J'ai fait un accident grave. Mm-hmm. Le 5 dernier. D'accord. Au Togo. Au Togo. D'accord. J'allais à une manifestation culturelle. Mm-hmm. Et à 10 minutes de la manifestation, nous avons entendu le bruit de notre pneu arrière. Mm-hmm. Un bruit banal. Et du coup, la voiture a commencé à faire des tonneaux. Mm-hmm. Le premier choc, j'ai dit, oh, Jésus. Parce que j'étais étonnée, surprise devant un bruit banal qui fait faire des tonneaux mm-hmm. à notre voiture. Mm-hmm. Le premier choc, oh Jésus. Et c'est comme on était sur un champ de bataille. Quand j'appelle Jésus, on envoie encore d'autres flèches. Uh-huh, ah ça. Oui. Le second choc qui est plus violent, mm-hmm. qui nous projette en arrière. Oh Jésus. Et le troisième, plus grave encore, nous pousse à 15 mètres de la route. 15 mètres. 15 mètres wow. de la route. Wow. Et personne ne nous voyait. Personne. On était très très loin. Et la voiture était méconnaissable. Donc la voiture a fait des tonneaux, tout ça. Des tonneaux. Wow. Irrécupérable. Wow. J'étais avec deux personnes à bord et puis je me suis retrouvée coincée. Mais j'étais lucide. Vraiment lucide. Et ce qui était étonnant, c'est qu'on n'avait senti aucun choc par rapport à nous-mêmes. D'accord. On ne sentait rien du tout. C'est comme si on s'amusait dedans. Wow. C'est comme si on nous avait protégés avec du matelas. Wow. Pas de choc. Personne n'est perdu de truc. Personne. Moi-même, j'étais encore plus forte. J'ai dit, mais c'est comme si je posais la question au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et subitement, je me voyais coincée, complètement coincée. Mm-hmm. Mais je donnais encore des ordres. Mm-hmm. Couper le contact. Sinon, la voiture peut prendre feu. Le chauffeur était presque immobile parce que lui était... Il a dû être bien choqué. Quand même. Choqué et ouais. tout. Donc, j'ai demandé à mon escorte, mais est-ce que ça va chez toi? Mais essaie de faire quelque chose. Essaie de couper le contact. Il dit, mais on a essayé, mais on n'arrive même pas parce que nous-mêmes, nous sommes coincés. J'ai dit, mais faites quelque chose. Et ceux qui sont sur la route ne pouvaient pas nous apercevoir parce que nous étions très, très, très loin de la route. Wow. Et je dis, mais montre un peu ton bras là pour qu'on puisse nous apercevoir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait ça et voilà, subitement, les secoureurs sont arrivés. Ils ont aidé l'escorte à sortir. Mm-hmm. Après, lui, il a aidé le chauffeur à sortir. Mm-hmm. Mais maintenant, pour me faire sortir, c'est tout un problème. J'étais complètement coincée. Wow. Alors, je commençais à dire, mais faites-moi sortir. Aidez-moi sortir aussi. Faites vite parce que la voiture peut prendre feu. Aidez-moi. Dis, madame, on va vous aider à sortir. Mais faites vite. Faites vite. Et il y avait 8 personnes pour me faire sortir de la voiture, comme si on me faisait sortir du tombeau. Wow. C'était extraordinaire. Mm-hmm. C'était extraordinaire. 8 personnes pour te sortir de... 8 personnes parce que j'étais tellement coincée. Wow. Et comme pour me faire sortir, il fallait passer par le haut. Mm-hmm. Donc, c'est ça quoi. Et la personne a été blessée physiquement? Personne. Personne n'a eu une hémorragie? Il n'y a même pas d'égratignure. Rien wow. du tout. Rien du tout. Et qu'est-ce que les gens ont trouvé dans la voiture? Quel document? Non. Le problème, les gens étaient tellement étonnés qu'ils cherchaient à voir s'il n'y avait pas une force qui me gardait dans la voiture. Ils ont fouillé dans toute la voiture et ils n'ont vu que des bibles et des traités que je traînais pour...
pour aller distribuer à cette manifestation-là. Et pourtant, ce n'était pas une manifestation chrétienne. Hein. Oh, okay. Ah non, non, c'était une fête traditionnelle et tout. Et je voudrais profiter de cette occasion pour faire distribuer la voiture. Mais les Bibles étaient éparpillées tellement. Donc, à chaque fois, on retrouvait des Bibles et tout. Je dis, mais si vous voyez dans cette voiture, on n'a rien vu. On n'a vu que des Bibles. On n'a vu que des traités. On a vu que des... Et c'était vraiment un miracle. Wow. C'était un miracle. Alors, tous ceux qui ont vu ça, je dis, ah, on n'a rien compris. Hein. Ils m'ont demandé, mais madame, vous êtes forte. Hein? J'ai dit, non, je ne suis pas forte, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, j'ai une copine qui dit, non, Agnès, fallait dire, oui, je suis forte, comme ça, tu vas les faire venir. Je suis forte, viens que je te montre ce que j'ai. Et quand ils vont venir, tu vas leur montrer Jésus. Voilà, la force de Dieu. Je remercie quand même ce dont nous parlons, ce n'est pas... de l'amusement. Mm-hmm. Hein? Dieu existe, il est réel, il est vivant. Et puis, quand je suis sortie de cette voiture, j'ai senti encore sa force toute puissante. J'ai senti cette force. Wow. Parce qu'il a dit que par exemple, ce n'est pas une démonstration de langage, de discours persuasif, mais c'est une démonstration de la puissance Amen. De Dieu. Amen. J'ai senti cette démonstration de cette puissance-là. Wow. Aucun pouvoir ne pourra me faire sortir de cet accident-là. Et tu as senti les puissances, les démons, les sorciers, les principautés. J'ai senti les... Je ne sais pas, Dieu m'avait ouvert les yeux, l'entendement, tout. Je sentais cette présence, cette force dominante de Jésus qui fait de lui le roi des rois, Amen. Le Seigneur des seigneurs, Amen. Le tout-puissant, Amen. L'incomparable. Oh. Je sentais les autres, toutes les dominations, les principautés, les autorités, tout le monde, je les sentais vraiment sous moi. Wow. Ce n'était pas sous moi, mais c'est sous le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Mais les gens c'est ce que le Seigneur sait faire. Les gens ne te prennent pas pour une folle. Il est fidèle. Hein? Wow. Pardon? Les gens ne te prennent pas pour une folle. Quand tu commençais. Ah oui, 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 oui. Quand j'ai cette soif, cet amour que tu as pour le Seigneur. Ah c'est... oui, oui. Ça, depuis longtemps. J'ai des problèmes. J'ai des sérieux problèmes. Que ce soit au niveau de mon foyer. Ah, c'est pour cela que je voudrais quand même demander à mes frères et à mes sœurs. Mm-hmm. D'être un peu tempéré. Hein? Parce que pour moi, c'est Jésus ou rien du tout. Amen. C'est lui qui passe avant. Amen. Amen. Vous pouvez être n'importe qui, n'importe quoi. C'est Jésus. Wow. Et c'est encore plus prononcé maintenant. Wow. Parce qu'au moment où je me débattais avec la mort et la vie, il n'y avait personne. Je n'avais vu personne. Ni mes enfants, ni mon mari, ni mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ. Je n'avais vu personne, j'étais seule. Et je criais, j'étais devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, sauve-moi. Et il m'a sauvé. Wow. Il n'y a que lui qui puisse sauver. Amen. Il n'y a personne. Aucune Amen. Force. Amen. Aucune force. Devant Amen. devant, c'est comme si je côtoyais la mort. C'est pour ça que je dis, je suis descendue. Je suis allé prendre la clé de la mort. Amen. Aujourd'hui, même si je mourrais, mais je m'en fous, je verrai mon Dieu. Amen. Parce que je n'ai pas appelé XY, je l'ai appelé. Wow. Et comme je ne suis pas morte, je sais que la mission n'est pas terminée. Amen. Amen. Tout le monde donnera sa vie à Jésus. Alléluia. Donc tu as expérimenté vraiment ce verset justement dans Romains 10, 13 qui dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Sauvé. Je l'ai expérimenté. Wow. Je l'ai expérimenté. Wow. Et également tous les gens qui étaient avec toi, oh étaient protégés. Quand un de mon fils est sauvé, toute la famille est sauvée. Amen. Quand un de mon fils est sauvé, tous ceux qui sont autour de lui sont sauvés. Tous ceux qui sont autour de notre bien-aimé est sauvé. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est la parole. Crois au Seigneur Jésus. Il faut y croire. Hein. Amen. Amen. Moi j'y crois.
Amen. Moi, je suis heureuse, je suis contente d'être à côté parce que je sais que je serai encore doublement sauvée. Amen. Oui. Non, je suis très heureuse. Je suis heureuse. Wow. Mais quand je suis sortie de la voiture, tout le monde s'empressait pour me faire asseoir. Wow. Parce qu'ils pensaient à l'hémorragie interne. Ok. Parce que c'est ce qui ça arrive souvent. On dit, faites-le asseoir sur une pierre, comme c'était dans la brousse aussi. Okay. Faites-le asseoir sur une pierre. Je dis, non, pourquoi? Moi, je suis debout. Jésus m'a déjà sauvé. Je dis, oui, on sait que Jésus. Mais asseyez-vous d'abord. Je dis, non. Et j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à dire, oui, j'ai appelé Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il a encore démontré sa toute puissance. Je marchais, je venais, je dis, gloire à toi, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tu es le tout puissant. Alors, les gens commençaient à se poser des questions. Peut-être que c'est l'accident. Hein? Mais allez la saisir parce que là, non. Il y avait monsieur qui dit, viens, venez, on va partir. J'ai dit non. Non, il est le tout-puissant. Il a démontré sa toute-puissance. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il est. Il est fidèle. Waouh. Quand on l'invoque, il descend, il répond. Waouh, 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 waouh. Jésus est fidèle. Il nous aime. Ce n'est même pas nos œuvres. Mes amis, si on peut voir, Nico, je ne sais pas, l'image de cette voiture, c'est possible, hein, même avec ton ordinateur. Là où nous sommes à trois là-dessus. Là où il y a trois personnes. Ok, c'est bon. On va occulter. Ouais. Ok, c'est parfait. Ok. Là où il y a trois personnes, on va. Les autres images, non. C'est vraiment, moi j'ai vu les images, mes amis. C'est quand même assez impressionnant de voir comment Dieu protège, comment Dieu garde les gens. C'est impressionnant. Tout simplement, il n'a pas changé. Et qu'est-ce que tu peux dire justement à toutes ces femmes, tous ces hommes qui nous suivent ce soir et qui sont combattus, qui sont attaqués, qui sont rejetés à cause de la vérité qu'ils ont acceptée? Je ne sais pas si on peut convaincre les gens. Moi, je pense que quand vous avez la grâce, quand vous avez la chance, quand vous avez cette chance d'être choisi par Dieu et amené à Jésus. Parce que la parole est claire, que nul, Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne me l'envoie. Effectivement. Quand vous avez cette chance-là d'être envoyé à Jésus, personne ne peut vous convaincre ou vous forcer à faire quoi que ce soit. Okay. Vous avez ce désir d'être avec lui. Vous avez ce désir de tout faire pour lui et uniquement pour lui seul. Alors, ce que j'ai à dire à mes bien-aimés, c'est de lui faire confiance. Celui qui lui fait confiance n'est jamais confus. Faites-lui confiance. Quoi qu'il arrive, quels que soient les problèmes. D'ailleurs, si vous aimez réellement Dieu, si personne ne vous force, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et nos légères afflictions produisent un poids éternel de gloire. De gloire, alléluia. Vous devez être prêt pour subir le brisement, les afflictions, les persécutions, surtout les persécutions. Parce que quand vous aimez Jésus, vous avez fait un choix clair. Alors là, l'ennemi vous attend. Ok. À tous les niveaux. Vous êtes persécuté, rejeté. Vous êtes persécuté, rejeté, et vous vous retrouvez seul, solitaire. Mais plus vous êtes solitaire, plus soyez attaché à Jésus. Amen. C'est le meilleur moment. Amen. Moi, c'est une partie de mon témoignage. J'ai subi beaucoup de persécutions, beaucoup de brisements. Mais quand ça arrive, c'est que Dieu vous prépare pour sa mission. Amen. Pour sa gloire. Pour une mission plus compliquée. Wow.
Donc, il faut s'attendre à tout. Wow. Ou bien on est avec Jésus, ou bien on est ailleurs. Mm-hmm. Je ne sais pas, je ne suis pas extrémiste, mm-hmm. mais j'aime beaucoup Jésus. Amen. Amen. C'est comme Amen. Ça. Soyez prêts pour avancer avec lui. Il aura toujours des persécutions, mais que les persécutions, les afflictions, les maladies, les rejets mm-hmm. ne nous fassent pas éloigner de Jésus. Mm-hmm. Au contraire, mm-hmm. que ces choses-là nous rapprochent davantage de lui. Parce qu'il n'y a que lui qui puisse nous combler. Il n'y a que lui qui puisse... Cette image-là. Il n'y a que lui qui puisse combler nos vides. Mm-hmm. Il n'y a que Jésus qui puisse combler. Et cette passion que tu as pour le Seigneur, ça nous touche. C'est pour cela que je me suis dit, non, il faut qu'on fasse une émission pour qu'elle communique aussi cette passion aux frères et sœurs, à nous tous, à nous autres, et pour être encore encouragés. Mais il est fidèle. Amen. Quand il sait que vous l'aimez, il vous aime aussi. Amen. Et d'ailleurs, il a dit que lui nous a aimés quand on était pécheurs. Ah, effectivement, effectivement. Ah, ouais, quand on était encore pécheurs, il nous a aimés. Amen. Donc son amour est grand. Amen. Si vous n'arrivez pas à aimer, moi j'ai un petit secret. Mm-hmm. Quand vous n'arrivez pas à aimer, mm-hmm. demandez-lui. Romains 5, verset 5 dit, Dieu met l'amour dans nos cœurs wow. par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Wow, wow. Et quand vous lui demandez cet amour, il le fait automatiquement. Amen. Commencez par lui demander pour qu'il vous mette cet amour agapé dans votre cœur. Dans votre cœur, ok. Qui vous permet d'aimer vos ennemis, moi j'en ai pas, mm-hmm. vos ennemis, vos amis, tous ceux qui vous ont offensé d'une mm-hmm. manière ou d'une autre. Mm-hmm. Demandez et il vous le donnera. Amen. Donc c'est Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. D'accord. Est-ce qu'on peut se poser de le lire un peu? Oui, bien sûr. Donc il y a cette image-là, justement, l'équipe technique va nous la montrer. Regardez, frères et sœurs, comment son véhicule a été, accidenté. Il a fait plusieurs tonneaux et le Seigneur l'a miraculeusement gardé, ainsi que les gens qui étaient avec elle, hein, son escorte. Mm-hmm. Et le Seigneur est vraiment fidèle et personne n'a été blessé. Et l'ennemi a été confondu. Alors ceux qui ont fomenté cet accident mystiquement, eh bien, sont confondus. Je crois qu'ils vont se convertir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Donc on pourra lire Romains 5, verset 5, si quelqu'un peut lire. D'accord. Donc Romains chapitre 5. Verset 5. Ok. Donc voilà, pour ceux qui nous suivent depuis chez eux, la parole dit, Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne confond pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Wow. Amen. L'amour de Dieu est répandu. C'est répandu dans nos cœurs. Mm-hmm. Comme de l'eau par le Saint-Esprit. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. J'aime bien cette version. Amen. c'est bien répandu. Amen. Je l'ai expérimenté. Amen. Quand ma fille a commencé à faire sa crise d'ado. D'accord. J'ai senti que j'aimais tellement Jésus que je négligeais un peu aussi la famille, les enfants et tout. Je le reconnais. Hein, d'accord. Dieu. Alors, quand Dieu me l'a révélé, je me suis agenouillée, j'ai pleuré et j'ai dit, Seigneur, moi-même, et mon réservoir d'amour est vide parce que j'ai quitté ma mère à 4 ans. Wow. J'ai pas eu cet amour. Mais aide-moi à aimer mm-hmm. réellement ma fille. Il m'a donné ce verset-là. D'accord. Alors j'ai prié, j'ai dit, ah, donc c'est possible encore. Mets l'amour dans mon cœur pour aimer ma fille, mets l'amour dans mon cœur. J'ai prié pendant 30 minutes. Et entre-temps, ma fille est partie chez une nièce parce qu'elle ne voulait plus rester avec moi. Elle me trouvait trop dure et tout. D'accord. Et je l'ai appelé après avoir bien pleuré pendant 30 minutes et demandé au Seigneur de mettre l'amour dans mon cœur. D'accord. Je l'ai appelé, j'ai dit, ma fille, ça va dire, ah maman, j'ai reconnu ta voix. J'ai dit, mais comment Dieu a mis l'amour dans mon cœur mm-hmm. automatiquement. Elle n'était pas à côté de moi. Mm-hmm. Elle était dans une autre maison. D'accord. Mais quand j'ai prié comme ça, automatiquement, Dieu a mis l'amour dans son cœur. Waouh. Instantanément. Instantanément. Wow. Et elle est revenue à la maison. C'est pour cela que ce verset-là, si nous manquons d'amour, mm-hmm. Dieu dit, aimez Dieu de tout votre corps, de toute votre âme et puis de tout votre esprit, mm-hmm. c'est ça? C'est ça. Et aimez votre prochain. Comme vous-même. Pour
Vous avez dit pour... C'est ça. Aimer pour son prochain comme pour soi-même. Aimer pour son prochain comme pour soi-même. Amen. Si vous voulez arriver là... si vous voulez vraiment en arriver là, le secret est là-bas. Wow. Oui. La parole, elle est là pour ça. C'est fort. Hein? Elle est, oui. Mmh. Répandu, vous avez dit. C'est ça, répandu. C'est ça. Comme de l'eau. c'est bien. Donc, je crois que nous avons tous les moyens, tous les éléments. Dieu nous aime pour pouvoir accomplir ses œuvres. Hein. Amen, amen, amen. Ah, oui. Et il y a beaucoup de frères et sœurs aussi du Togo qui sont connectés, qui nous suivent. Donc, je pense notamment à cette notre sœur qui est venue du Togo il y a quelques jours quand on était à Abidjan. Donc, on a fait une mission au Togo. On a fait le Togo, on a fait le Bénin et on a vécu vraiment des belles choses. On est passé sur une chaîne privée là-bas où on a apporté la parole. Il y a eu vraiment beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Et nous tenons justement à saluer les frères et sœurs de cette belle nation. Et vraiment que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a un mot de la fin pour... Je profite aussi de l'occasion pour envoyer un coucou à tous les Togolais. Amen. Sans exception. Il y en a beaucoup qui sont là. Et tous les Togolais. Et les encourager. Mm-hmm. Parce que moi, mon désir, c'est de voir tout le Togo gagner à Christ. Amen. Oui. Amen. Je sais que Dieu est fidèle. Amen. Il va le faire. Amen. Il va le faire. Et je compte sur les frères et les sœurs, mm-hmm. Les bien-aimés qui nous voient en direct. D'accord. Et ceux qui nous verront plus tard. D'accord. Et sur tous les Togolais, quelle que soit leur dénomination, leur appartenance religieuse, mm-hmm. je sais que si nous nous aimons réellement, mm-hmm. Dieu fera de grandes choses. Amen. Au Togo. Amen. Oui, amen. Dieu fera de grandes choses au Togo. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup. Amen. Et je vous aime aussi. Amen. C'est réciproque en tout cas. Merci. Là, je n'en doute point. Amen. Hein, je amen. N'en doute point. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse vraiment cette vision. Amen. Cette Merci. Vision grandiose Amen. Oui, qui nous donne la joie au cœur. Amen. Et ne soyez jamais découragés. Merci. Jamais, jamais. Jusqu'au jour de son retour. Amen. Parce que si la parole a dit, elle est claire, si nous souffrons avec lui, nous mm-hmm. régnerons avec Amen. Lui. Amen. Et nous allons régner Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, hein, les frères et sœurs du Togo qui sont connectés ce soir, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien appeler pour peut-être encourager. Et vous êtes libre de le faire. Donc, il n'y a pas de problème au 01 64 98 90 45. Donc, je sais que vous êtes nombreux, je pense notamment à mon frère Jean. Donc, vous pouvez appeler ce soir pour aussi encourager nos sœurs. Et voilà. Donc, il y a aussi notre grande sœur qui a aussi un puissant témoignage, qui disait tout à l'heure comment le Seigneur l'a guéri. Waouh. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, le micro approche de la bouche pour. Je suis la grande sœur de d'Agnès. D'accord. Donc, je m'appelle Renée mm-hmm. et Madame Dorkenou. Mm-hmm. Bon, alors j'ai un témoignage très, très, très important mm-hmm. et je tiens à le faire savoir. Amen. J'ai été le 20 juin, mm-hmm. donc j'ai été malade. D'accord. J'ai eu des maux de ventre, c'était vers 22h30. D'accord. Et je crois que c'était quelque chose de banal. Mm-hmm. Donc, bon, j'ai voulu prendre un médicament, j'ai pris un... Spasfon, j'ai regardé, c'était périmé, bon, je l'ai craché, mm-hmm. et puis je me suis dit, ça va passer. Mais ça ne passait pas. Bon, après, finalement, ça continuait. Mm-hmm. Les maux étaient tellement forts que c'était même trop douloureux par rapport à la contraction de l'accouchement. Waouh! Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai été voir mon mari, j'ai dit, mais non, ça ne va pas. On va appeler un médecin. On a fait venir un médecin, il m'a fait une injection. Et il nous disait que dans un quart d'heure, ça va passer. Et ça ne s'est pas passé. Mm-hmm. On a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, on a dit, bon, il a touché mon ventre, mais il n'y a rien. Donc, il doit avoir quelque chose de plus grave. Donc, il a fait venir une ambulance mm-hmm. qui m'a ramené à l'hôpital.
Donc, c'était à l'hôpital de La Fontaine. Mmh. Et quand on était arrivé, c'était la période de grève. D'accord. C'était marqué urgence, grève. On m'a reçu. Mais alors, on m'a mis dans un cas, dans une box. D'accord. Et j'ai attendu là 2 heures du matin. Waouh. J'avais mal. Je criais. Et j'ai eu le médecin seulement que vers 10 heures du matin. J'avais tellement mal. Et ma seule consolation, c'est d'appeler Jésus. Amen. Je dis, bon, j'ai très mal. Je n'ai que toi. C'est le médecin qui est toujours c'est prêt. C'est toi mon médecin. Mais sauve-moi. Je ne faisais que ça. Et après, j'avais ma voix. Je ne pouvais même plus crier. Mm-hmm. Donc, je priais dans ma pensée. Wow. Et jusqu'à ce que le médecin ne vienne. Bon, le médecin est venu. Il a commencé à me poser des questions. Je ne pouvais pas parler parce que j'avais trop mal. Bon. Après, il a fait ses examens. Et puis, il a dit, bon, d'accord. Ils ont fait des perfusions et ils m'ont mis des calmants. D'accord. Donc, j'ai été perfusée et ça me calmait un peu. D'accord. Mais la douleur ne s'est pas arrêtée. Mm-hmm. Ça a duré pendant des heures. Et finalement, ils ont dit, bon, il faut que vous alliez faire un examen, mm-hmm. donc radio-scanner. Et au retour, c'était une éclosion intestinale. Mm-hmm. Bon. C'est bien grave. C'est grave. Mmh. Donc, il faudra me... Je serai hospitalisée. J'étais seule. Et je continue à prier Dieu. Mmh. J'appelais moi Jésus. Mmh. Jésus, je n'ai que toi. Mmh. Tu es mon médecin. Et puis, quand le résultat était arrivé, on dit, bon, d'accord, vous serez hospitalisée. Le médecin est revenu, il m'a dit, bon, il n'y a pas de solution. Soit... vous aurez une chance et ça va passer, mais ce serait très difficile, donc vous serez opéré. Bon, d'accord. Je n'ai rien dit. Ils sont partis. Et moi, je priais, je disais non. Moi, je ne veux pas être opéré. Je ne veux pas d'opération. Et bon, d'accord, j'ai dit au médecin que je ne veux pas être opéré. Waouh. Et après, ils m'ont dit, bon, d'accord, vous allez rester. Ils ne t'ont pas trouvé folle un peu, là, c'est... Bon, comme vous voulez, on ne va pas vous forcer. Et du coup, donc, on m'a gardé à l'hôpital pendant 2 jours, sans eau, à jeun. Je ne dois pas boire, je ne dois rien faire. Si vous avez de la chambre, ça va passer. Je dis, bon, d'accord. Et moi, je priais. Je disais, bon, s'il faut qu'on me perde, c'est Jésus qui va m'opérer. C'est la main de Jésus qui sera la main du médecin. C'est ce que je disais. Et 2 jours... Il n'y a rien, rien ne passait. Bon, j'attendais. Et le dimanche dernier, donc la décision a été prise. Donc, vous serez opéré le lendemain. Mm-hmm. Bon, d'accord, je n'ai rien dit. Et la veille, j'ai eu une tension qui était montée à 20. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, on dit, ben, bon. Et on m'a apporté un médicament. Je disais, bon, Satan. Tu as menti, hein, c'est rien. Tu as menti, je n'ai rien. Et puis le lendemain, quand on a repris ma tension, c'était normal. Bon, d'accord. Et la veille, pendant la nuit, du coup, j'ai eu des maux de ventre. J'avais encore mal. Et j'avais la nausée. Après, j'ai demandé qu'on m'apporte une cuvette et j'ai vomi. Mm-hmm. Et ma fille était avec moi, donc on priait. Et après, j'ai senti que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Mmh. Et j'ai été, et ça s'est passé. Waouh! Amen! Ça s'est passé! Waouh! Ça s'est passé! Alors, lundi matin, l'infirmière était venue, dit, bon, vous, on ne va pas vous opérer. Non. On a dit, on va vous préparer pour le bloc. Bon, d'accord, je n'ai rien dit. Et puis, l'infirmière est venue, elle a dit, bon. Tout va bien, je leur ai dit, voilà, j'ai été aux toilettes et là, ça s'est passé. Waouh, c'est vrai? Alors, je vais aller dire au médecin. Et le médecin est venu, il a dit, bon, c'est vrai que vous avez... J'ai dit, mais c'est passé. Bon, on ne va pas vous opérer. Et ça y est, c'est comme ça que le Seigneur m'a sauvé. Wow. L'opération. Amen. Alors, je...
je voudrais rendre gloire au Seigneur. Il n'y a que lui. Et tu n'as rien payé au... Je n'ai rien payé à mon... À quelqu'un pour lui imposer les mains. Ah, mais non, pour... ce n'est que mon Seigneur. Tu n'as même Jésus. Pas appelé un bishop, hein? C'est pas vraiment... du tout. C'est mon Seigneur qui m'a guéri. Wow. Alors, je lui rends gloire. Amen. Gloire. Il est digne de gloire. De... Il, voilà. Et qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes malades qui nous suivent, là, qui sont désespérées? Donnez votre confiance. Confiez-vous à votre Seigneur. La maladie, c'est Seigneur, c'est notre Jésus. Il a porté toutes nos maladies sur lui. Amen. Il les a clouées sur la croix. Même si vous souffrez, ayez confiance. Appelez-le, il répondra. Voilà, moi j'ai été soignée, j'ai été opérée par Jésus et tout s'est passé. Alors je vous encourage, je vous encourage. Le Seigneur, c'est notre Dieu, Amen. Notre Seigneur, notre médecin. Il est tout pour nous, notre roi, tout. Tout, mettez tout, votre confiance en lui et il fera tout ce que vous lui demandez. Amen. Waouh. Wow. Voilà. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Il n'a hein? pas changé, il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement. Il est à côté de nous, il est devant nous, il est derrière nous. Bien. Voilà. Ben, je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Quand on est avec Jésus, on nous prend pour des fous. Hein. Le fou de Jésus. Et moi, j'aime bien ça. Et en plus de ça, non seulement on nous prend pour des fous, on nous prend pour des sorciers aussi. C'est ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, oui. Ils vont dire non, mais ça, c'est certainement la sorcellerie. Oui. Ils ont touché à quelque chose. Pour sortir indemne comme ça de tel accident, d'une telle maladie, il y a forcément quelque chose. Alors on a dit, bon, moi, on a dit, bon, on vous avait dit, hein, Madame Johnson. mais moi, je peux rassurer les uns les autres qu'il n'y a rien du tout. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que Jésus, on a dit qu'il est le roi des rois. Amen. Amen. On a dit qu'il est le Dieu des dieux. Amen. On a dit qu'il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Donc, s'il n'y a pas abus de langage, on peut dire qu'il est le sorcier des sorciers, non? mais lui, il est plus fort que tout ça. Amen. Au-dessus de toutes les, tous les sorciers, tous les magiciens. Et on a dit qu'à son nom, tout genou doit fléchir. Amen. 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 Et toute l'âme doit proclamer qu'il est le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Oui, donc, n'ayez pas peur qu'on vous appelle sorcier. Oui. Non. N'ayez pas peur. Parce que pour beaucoup, moi, je suis un grand sorcier ici à Paris. Ah, je savais pas. Mais là, tu me parles en tout cas. Là. Je suis un grand sorcier pour beaucoup. Hein, le plus grand faux prophète, le prophète de Baal, c'est la totale. Sur Internet, on m'insulte, on bénit tous ces gens parce non, que oui, on les bénit, on les aime, on oui, leur dit on ah ben, oui. Continuez à faire, n'est-ce pas, cette publicité qui permet aux gens de découvrir la vérité, justement, parce que les gens cherchent à savoir, mais qui est ce sorcier-là, justement voilà, et quand voilà. ils viennent, ils entendent parler de Jésus, Jésus. Hein, le plus grand médecin. Le plus grand des docteurs, ouais. Eh ben, le Dieu des dieux, effectivement, le Seigneur des seigneurs, ben, les gens se convertissent comme ça. Oui, oui. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Non, c'est... Le Seigneur, il est merveilleux. Amen, amen. Je pensais que j'étais la seule à aimer Jésus comme ça. Alors, quand je suis descendue, je dis, mais... Dieu, je suis amoureuse encore de toi. Hein. Mais maintenant, je suis devenue une vierge. Je suis amoureuse. Oh là là. Oh, je suis tombée vraiment amoureuse. C'est un coup de... Comment on appelle ça? Un coup de foudre. Wow. Un coup de foudre. Je suis vraiment... Je vais t'embrasser. Je vais te faire de gros bisous. Wow. C'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire. Sorti de ce truc. Sans ingratitude. Waouh. Aucune goutte de sang. Waouh. Aucune goutte de sang. Aucune goutte de wow. sang. Waouh. Vous avez vu le véhicule. Vous avez vu les vitres. C'est passer ça. Des c'est trucs. Ça. C'est ça. Tout le derrière, il n'y avait plus de vitres. Waouh. Vous avez vu ça. Ah ouais. Mais moi, j'étais derrière les vitres, j'étais passé
pas où et puis j'ai rien. C'est du ça. Tout. C'est impressionnant, oui. Frères et sœurs. Et ça, c'est. Il n'y a que le Seigneur qui peut protéger comme ça. Là. Et sa parole est vérité. Mm-hmm. Amen. Elle est la vérité. Amen. Sa parole est vérité. Amen. Quand elle dit, j'enverrai les anges pour vous porter de peur que vos pieds ne heurtent là. Mm-hmm. Mais c'est vrai. Il a envoyé, je ne sais pas ce qu'il a envoyé, combien de temps. Parce qu'il y avait quelque chose qui nous protégeait. Wow. Comme un matelas. Wow. Parce que malgré les chocs, Des airbags spirituels. Voilà. et pourtant, notre airbag de devant n'a pas fonctionné. Ah bon? Mais vous savez pourquoi ça n'a pas fonctionné? On nous a expliqué ça, que parce qu'on n'a pas eu le choc de devant. Ok. Il n'y a pas eu de choc frontal, quoi. Il n'y a pas eu de choc frontal, donc ça n'a pas fonctionné. Waouh, waouh. Et le Seigneur a déployé des airbags spirituels que lui-même a créés. Frères et sœurs, non, mais le Seigneur est magnifique. Hein. C'est trop bon. Moi, j'ai vu le véhicule, tu vois, qui fait plusieurs tonneaux comme ça. Personne parmi les occupants n'a eu, ne serait-ce qu'une égratignure, avec une goutte de sang, pour ne pas qu'on dise notre sœur Agnès a fait des sacrifices. Hein, pour, voilà. C'est ça le truc. Non, c'est exactement ça. Non, c'est ça. On voulait mon sang. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui serait mort, on allait dire, ah, elle a sacrifié, ou ceux qui ont voulu te sacrifier. Mm-hmm. Mais voilà, là, ils sont complètement étonnés, dépassés. Eh bien, on vous invite à Jésus. Venez à Jésus. Hein? C'est la meilleure personne qui peut vous protéger. Ben, venez à Jésus, mes amis. C'est aussi simple que cela. Il y en a quand je pense qu'ils portent des gris-gris pour être protégés. Ils portent des ficelles partout. Ils vont faire des incantations, tout ça, pour être protégés, tout ça. Regardez, mes amis, une seule prière. Une seule prière. Seigneur Jésus, sauve-moi. Jésus, c'est tout. Jésus seulement. Jésus. Waouh. C'est tout. Waouh. Juste le nom. Juste le nom. Hein. Le nom. Pas Jésus seulement. Non. J'avais pas le temps. Parce que les tonneaux se répétaient. C'est ça. Il n'y a même pas le temps de réfléchir. C'est ça. Donc, Jésus. À chaque tonneau, Jésus. Il y en a eu combien pour près de tonneaux? Trois tonneaux. Donc Jésus une fois, Jésus deux fois, Jésus trois fois. Et ça s'est arrêté. La résurrection, voilà. Trois jours après. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une révélation. Alléluia. Oui, c'est vrai parce que c'est vraiment une révélation. Ah, c'est ça, la résurrection. La résurrection. Amen. Mes frères et sœurs, faites-lui confiance. Il n'y a pas autre chose. Le Fils de l'homme va rester 3 jours et 3 nuits sous terre. Eh bien, c'est ce que notre sœur Agnès a vécu. Hein. Oui. 3 fois Jésus-Christ. Et voilà, mes amis, sans aucune blessure et égratignure. Il n'y a que le Seigneur qui peut. Quand j'ai entendu ce témoin, je me suis dit non, il faut qu'on en parle, qu'on encourage les frères et sœurs. Et ceux qui, mes amis, pensaient que la protection ne se trouve que chez les sorciers ou il n'y a que plutôt eux qui peuvent se protéger, eh bien, réalise aujourd'hui que seul Jésus-Christ peut protéger. On n'a pas invoqué, elle n'a pas invoqué le nom d'une divinité quelconque, que le nom de Jésus-Christ. Et comme elle a si bien dit, elle n'avait pas le temps d'aller encore plus loin pour dire « Sauve-moi, descends du ciel, tout ça, machin. » Juste Jésus. Le nom qui fait trembler les sorciers, les démons, les magiciens, les quimboiseurs, mes amis là. Mes amis, oh alléluia, je me rappelle de cette histoire, ces deux jeunes qui sont allés chercher la magie pour avoir leur bac dans un cimetière. On leur a donné rendez-vous par ce marabout. À minuit, les démons sortaient parce qu'ils les ont invoqués de leur deuxième monde pour venir répondre à leurs prières. Et un troisième magicien qui avait l'habitude d'aller dans ce cimetière, rencontre ces démons, il a eu peur d'eux. Il leur demande « Où allez-vous ?» Ils lui disent « Nous allons répondre à la prière de deux jeunes étudiants qui nous ont invoqués, il était minuit. » Et il se dit « Moi qui suis magicien depuis des années, qui côtoie les démons, j'ai peur de ces esprits et ces jeunes gens qui sont novices. » Oh, il les a laissés, ces démons, ils sont partis. Arrivés à 1 kilomètre de ces jeunes, ces jeunes ont senti la puissance démoniaque de ces esprits. Ils ont commencé à fuir, à courir. Il y en a un qui bute sur une pierre et tombe. Il devient fou, le premier. Le deuxième, il bute sur une pierre, il tombe. Et les démons venaient pour l'attraper. Il s'est souvenu qu'un jour, il était dans une assemblée et qu'on prêchait que le nom de Jésus-Christ était le nom le plus puissant.
Il était païen, pécheur. Il a crié seulement « Jésus ». Les démons sont repartis plus vite qu'ils ne venaient. Ils ont dépassé le magicien. Le magicien les a attrapés. Il leur dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils lui disent « Cours !» C'était un piège. Ils nous ont tendu un piège. Ils ont invoqué le nom du vieux papa. Ils n'ont pas voulu prononcer le nom de Jésus. Il leur dit « Qui est le vieux papa ?» Il dit « Non, non, il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Il est sorti de la tombe. » Ah, il s'est dit, ah, donc c'est le magicien, ah, donc c'est Jésus. Et quand il arrive sous terre, le magicien, devant il y avait la réunion avec Satan, les démons et d'autres sorciers, magiciens. Alors il lève la main comme ça, il dit à Satan, eh ben, j'ai vécu une histoire tout à l'heure avec des démons, avec deux jeunes gens, tout ça. Ils ont prononcé, il y en a un qui a prononcé le nom de Jésus. Ah, Satan et tous les démons, par terre. Satan dit, ne prononce plus jamais ce nom ici. C'est comme ça qu'il est sorti de la magie. Il a écrit un livre là, tout ça, là, pour dire, dont le titre est « Va à Bethel ». Et il a raconté comment le nom du Seigneur est puissant, mes amis, confirmant les Écritures. Et ça, c'est glorieux. C'est pour cela qu'on ne peut que tomber amoureux de lui. C'est l'homme le plus beau, le Dieu le plus glorieux, l'homme de Galilée, l'alpha et l'oméga. Il est le tout, mes amis, il est Dieu, il est Fils, il est chemin, il est vérité, il est lumière, il est l'étoile brillante du matin. Mes amis, et nous voulons manger sa parole, nous voulons boire sa parole, nous voulons marcher avec sa parole et nous voulons lui dire merci, merci pour tout ce qu'il est, pour merci, tout ce qu'il merci, fait. Merci. Très honnêtement, c'est... Il est digne de louange. Amen, amen. Il est digne de gloire. Amen, amen. Ah oui. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus le mérite. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons vraiment t'honorer, nous voulons vraiment te craindre, nous voulons vraiment t'obéir, Adonai, Dieu d'Israël. Seigneur Jésus, merci. C'est toi qui changes, Seigneur, les ténèbres en lumière. C'est toi, Seigneur, qui protèges tes enfants. C'est toi qui gardes, tu as établi Daniel parmi les grands de ce monde. Et tu as donné à marcher dans la crainte de ton nom, Seigneur. On l'a mis dans une fosse au lion. Seigneur, tu as muselé ce lion parce que tu es le lion de la tribu de Juda. On a mis Shadrach, Meshach, Abednego dans une fournaise ardente. Tu es le feu dévorant et tu as gardé ces hommes parce qu'ils ont eu confiance en toi. Au travers de tous ces témoignages, tu nous démontres que la magie, la sorcellerie, les gris-gris ne peuvent pas protéger les hommes. Toi seul protège. À toi la gloire au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. En tout cas, durant ton séjour en France, si tu as des exhortations à faire sur TV de vie pour encourager les frères et sœurs, vraiment, la chaîne de télé que Dieu nous a confiée et à tous les enfants de Dieu, appartient à tous les enfants de Dieu. Donc vraiment, dans la liberté, il n'y a pas de problème. Il y a autant d'heures que tu voudras partager avec les frères et sœurs et encourager les amis qui sont connectés depuis leur pays. Et je fais un coucou aux techniciens qui sont... Aux techniciens, voilà. Merci. Et que Dieu les bénisse. Ils font aussi des choses merveilleuses. Amen. Et pour, je ne sais pas, la communauté, pour votre communauté. D'accord. Tout ça, en fait, c'est juste, on travaille dans le cadre d'une vision seulement, une vision missionnaire, voilà. Au niveau de TV de vie. On organise des réunions, des conférences pour former les gens, ici et là, où on prie aussi pour des malades. Donc, c'est plutôt, on travaille dans le cadre de cette chaîne de télé. Et donc, c'est l'équipe qui, Anat, qui ne sont pas là ce soir. Et puis, c'est un centre de formation biblique où les gens viennent du monde entier pour se former. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on essaie de procéder. Amen. Amen. C'est une formation permanente. Permanente, hein. Voilà, permanente. Et les gens sont formés sur l'histoire de l'Église, sur les Écritures, tout ça. Et beaucoup, beaucoup sont vraiment encouragés. Beaucoup sont bénis. Et quand est-ce que vous viendrez au Togo pour nous encourager? En novembre. En novembre. Ah, on sera au Togo en novembre. C'est en tout super, cas. C'est super. Parce que le jour béni. Amen. Ah, on en a parlé en Côte d'Ivoire. Ah, oui. Et j'ai vraiment senti tout à l'heure qu'en novembre, il va falloir qu'on fasse un tour au Togo. Ah, très bien. Avec une bonne équipe là, pour pouvoir partager oui. l'évangile là-bas. Oui, oui. Voilà. Donc, vous serez les bienvenus. Hein. Amen. Oui. Amen. Oui. Que Dieu soit béni. En tout cas, frères et sœurs, merci pour votre présence. Merci pour vos prières. Et puis. Et merci aussi à votre sensibilité, hein, merci, parce que merci. vous avez comment cet amour pour le Seigneur et beaucoup, je pense, qui sont encouragés. Mmh. Alors, nous vous disons, mes amis, à bientôt. Mmh. Et rappelez-vous bien que nous sommes en Suède vendredi et samedi. Mmh. Et dimanche, nous sommes à Nantes. Et lundi et mardi prochain, votre émission, La Dernière Trompette,
vendredi soir, il y a une émission sur une émission avec les Docimos, et ça va être notre journal, et pour parler sur la famille, sur plein d'autres choses, et qui vont certainement beaucoup vous encourager. Donc n'hésitez pas à inviter vos amis à se connecter sur TV et Radio de Vie. Mm. Que Dieu se souvienne de vous. Nous vous disons à bientôt. On nous dit Yeshua. Amen. Amen. Voilà. Amen. Bye bye. Bye bye.